J'ai fait mon bout de chemin, baba, j'suis peu bavard, j'me pose et puis j'observe. Mon bout de chemin, baba, j'suis peu bavard, j'me pose et puis j'observe. J'ai fait mon bout de chemin, baba, j'suis peu bavard, j'me pose et puis j'observe. Mon bout de chemin, baba, j'suis peu bavard, j'me pose et puis j'observe. C'est bientôt la fin du monde. Eh bien, bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons ici pour 5 solutions pour avoir Minecraft gratuite. Voire 6. Bon, bref. Alors, la première, Shinigami SE version 2.0. Alors, c'est un launcher qui vous propose toutes les versions de Minecraft et qui se comporte pratiquement comme le launcher originel. Voilà. Donc, très utile et très bien adaptable pour Forge. Ensuite, vous avez le launcher CraftChain. Donc, lui c'est pareil, c'est juste qu'il n'utilise pas le même dossier. Enfin, lui utilise le premier Minecraft normal, mais celui-là utilisera un autre dossier. Je vous montrerai peut-être quand il faudra ajouter Forge. Alors, ça c'est pour. Ça c'est. Donc, ça, en fait, c'est CraftChain mais Windows. Pour vous montrer qu'il faut cliquer sur télécharger maintenant, même si ça sert à rien. Ensuite, Hypercraft. Donc là, pareil, launcher, Windows, Linux, et c'est aussi toutes les versions crack. Ensuite, on va passer à des versions que je vais appeler semi-premium. Celle-là, ça c'est Minecraft, donc launcher Ascentia. Donc c'est une version 1.7.10 qui permet d'accéder à des launchers genre Ascentia ou Lapicraft ou encore d'autres. Perso, il y a pas mal de launchers, j'arrive à aller avec ce genre de launcher, et après, voilà. Donc, pas mal de launchers, vous pouvez aller avec celui-là que vous n'arriverez pas à aller avec celui-là. Donc, un autre truc qui est bien avec les semi-cracks, c'est que vous pouvez avoir un skin. Voilà. Donc, Lifecraft, pareil, sauf que celui-là est 1.8. Même si vous avez moyen de le ramener en 1.7, il est 1.8. Et vous avez aussi Badblock qui est 1.1, mais actuellement les skins sont buggés, donc enfin, moi j'ai pas pu ajouter le skin. Pareil pour Minecraft, ces derniers temps ils ont pas mis à jour les skins, du coup ça paraît pas trop. Alors, donc ça c'était pour les skins premium, donc version unique sauf pour Lifecraft qui peut accéder au 1.7. Voilà, donc ça c'est 1.1, pareil, donc comme vous savez, le 1.8 peut avec n'importe quel 1.8 vous connecter à n'importe quel 1.8. Enfin, si vous m'avez compris, Voilà, donc ça c'était la présentation de launcher. Et il y a un dernier launcher que je voudrais montrer, c'est celui-là, Sky Univer Installer. Donc c'est un ancien launcher de serveur qui a malheureusement fermé et il est très bien. Il y a la possibilité d'avoir des skins, mais vu qu'il est fermé, ce n'est plus possible malheureusement. Donc moi par exemple j'ai un skin enregistré, donc il est toujours enregistré, je peux toujours y accéder normal, mais voilà. Donc par contre celui-là est en 1.7.2. Je tiens à préciser directement. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un launcher avec Launch Minecraft. Launch Minecraft. Et il y aura aussi, je vous montrerai Legacy Java Fixer. Parce que comme ce que vous avez pu voir, j'avais mis une vidéo parce que j'avais un problème avec Java. Alors pas avec Java, avec Forge, et le Legacy Java Fixer a réglé le problème. Voilà. À plus.